on est à Los Angeles, on est arrivé, on est juste à côté d'Hollywood, notre hôtel est juste à côté. Donc voilà, on va passer un bon petit week-end. On est juste à côté, on va aller bouger sur Hollywood juste après. Jamais été aussi heureux d'être à Los Angeles, je vous raconte pas, c'est incroyable. Là on est de nuit, il est 4h du matin pour vous mettre un peu dans le contexte. Faut que je focus sur moi, parfait. On est sur Hollywood Boulevard, 4h du matin. Ok, on a un peu bu, je vais pas mentir. Et bah c'est vide. Et c'est une des choses pour lesquelles j'ai envie d'habiter ici, je vais pas mentir. j'ai plus de mots. Je vous l'ai dit, il pleut. Je l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai dit quoi et j'espère qu'il va pas pleuvoir. Il fait quoi? Il pleut. Après, on est encore là pour 2 jours. Demain, on va à Universal. Et dimanche, on va où? On va ici, Venice Beach. Venice Beach, Santa Monica, Malibu. Donc, on a encore le temps. J'espère qu'il fera meilleur. Mais. On va là demain. Bien sûr qu'on va là. Footlocker, Olive Bois. Ah, mais oh, thank you, man. On retourne vers l'appart, on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, il est tard surtout et on a envie d'être levé à la bonne heure pour aller à Universal demain. Du coup, on rentre vite, on a juste fait un petit tour parce qu'on n'est pas sûr de revenir. Et puis, on va dormir, bonne nuit! Frérot, ça va se réveiller, mec. J'ai dormi avec. C'était pas sûr, toute la nuit regarde votre rêve. Ok, boum, c'est la journée. On se barre à Universal dans 10 minutes exactement. On a 10 minutes de route. Donc, c'est parti, je réalise un rêve de plus. Let's go! Et voilà Universal, je vous montre, on tourne. La deuxième fois, et quand je vous avais filmé la partie Harry Potter, c'était juste ici. On se dirige vers le truc Harry Potter, le truc que je vous avais parlé. Oh, fuck.
C'est la Poudlard, hein. Le vrai Poudlard. On est resté bloqué dans le manège Harry Potter, mais c'est le truc le plus ouf que j'ai fait toute ma vie. On est resté bloqué genre dans l'arbre. C'était ouf. On est à Springfield, il y a Krusty Land juste ici, vous savez, les photos très célèbres, machin. Puis on change d'environnement totalement. C'est marrant parce que c'est le genre de truc qu'on voit dans les Simpsons et sur internet ou quoi. Mais le truc, tu rêves jamais de venir ici, mais quand tu y es, c'est juste trop bien. C'est coloré de partout, c'est un autre monde. C'est ça qui représente Los Angeles, c'est tellement artificiel, c'est tellement refait. Bon, après, c'est un parc, vous allez me dire, mais. Entertain you are itchy and scratchy. Hey, those are just two drunks you fished out of the gutter. For some reason, he hates me. He is rumored to be in the vicinity of this park. Eeny, meeny, miny, mo. Eeny, meeny, miny, mo. Fine, you're in. Come with me. Oh, and you can pick one other group to come with you. How about these guys? Straight down to 9, she said. C'est les chiottes? Oh, non. Oh. Prepare to be real. Cool. Oh, the growling. Bon, il y a 3 parties à cette vidéo. Il y a ce que vous venez de voir, qui était la première partie de la première journée que j'ai passée à Los Angeles, donc à Universal Studios. La deuxième partie, je voudrais l'adresser dans une deuxième vidéo, c'est-à-dire qu'on a fait le tour Universal, donc on fait faire le tour des studios et tout. J'ai pu filmer quasiment l'entièreté et ma caméra a coupé en plein milieu de ce tour là. J'ai dû continuer à filmer avec mon téléphone, mais voilà, c'est la partie que je voulais montrer dans cette première vidéo que je venais de voir. Et la deuxième partie donc qui s'est faite au studio tour, je voudrais adresser tout ça dans une deuxième vidéo où je peux vous parler un peu plus en détail. J'ai pas envie de faire des vidéos ultra longues. Je pense qu'un format qui me convient le mieux, c'est un format de 8-12 minutes, et j'ai pas envie de faire vraiment une vidéo, parce que si je mettais tout vraiment ce que j'ai filmé dans cette journée, ça durerait éternellement, ça prendrait 20-25 minutes, et j'ai pas envie de faire ça. J'aime pas faire des vidéos trop longues. Donc ce que je fais, c'est que je vous allez voir cette vidéo, super. Et la deuxième vidéo que vous allez voir sur cette première journée, je sais pas quand elle sortira, mais ce sera sur le studio et tout ce que j'ai pu retenir, tout ce que j'ai pu entendre pendant ce tour-là, et que j'ai appris du coup, et que j'avais envie de vous partager, parce que c'est très important pour moi, dans le sens où je kiffe énormément le cinéma, et ça m'a vraiment fait quelque chose de voir tout ça. Puis il y a quelques surprises aussi qu'on a eues sur le coup, donc j'ai beaucoup aimé, et je voudrais vous partager ça dans une deuxième vidéo. Ensuite, il y a la troisième vidéo, mais qui sera sûrement la deuxième, qui va sortir demain ou après-demain normalement, qui était du coup la deuxième journée à Los Angeles où on a fait autre chose. Pareil, il n'y a pas énormément, c'est pas très long parce que je pouvais pas tout filmer, j'ai pas de deuxième batterie, et cette caméra là n'a pas une autonomie de ouf, enfin la batterie n'a pas une autonomie de ouf. Donc j'ai filmé ce que j'ai pu filmer. Ce voyage était ultra cool. Je veux faire court, mais voilà, c'était génial. Ça m'a laissé une grosse marque, ça m'a donné d'autres idées. Je suis encore plus motivé pour faire des vidéos. Donc voilà, c'était énorme. C'est la fin de cette première journée à Los Angeles.